bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui, je vous propose de faire quelque chose de très très bon qui est américain et ce sont bien sûr des donuts. Mais avant de passer à la suite avec la recette, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et on se retrouve à la fin. Première étape, on va dissoudre la levure boulangère avec les 2 cuillères à soupe d'eau et ensuite on va le dissoudre avec l'aide d'une cuillère et on va le rajouter au lait tiède. Et ensuite on va laisser reposer 10 minutes. Ensuite au bout des 10 minutes, on va verser le lait dans le bol de votre batteur. On va rajouter l'œuf, le beurre mou, et l'extrait de vanille. Ensuite, on va mettre le batteur pour commencer à mélanger doucement. Maintenant, on va rajouter la moitié de la farine. Le sucre. Le sel. Et on va mélanger de nouveau à petite vitesse. N'hésitez pas à éteindre votre batteur pour pouvoir aider la farine à bien s'incorporer à la pâte. Je rajoute le reste de la farine et je vais pétrir pendant environ 2 à 3 minutes à vitesse 4. Et voilà à quoi ressemble notre pâte après 2 à 3 minutes de pétrissage. On va débarrasser notre pâte dans un cul-de-poule. On va mettre un film alimentaire et on va percer 2-3 trous et laisser pousser pendant 1h30 à 2h jusqu'à ce qu'elle double de volume. Comme vous le voyez, la pâte a doublé de volume. Maintenant, on va la dégazer. Donc, on va mettre un peu de farine sur la surface pour pas que ça colle à votre main. Et vous allez mettre des coups de poing. Maintenant, on va abaisser la pâte. Donc, n'oubliez pas de mettre de la farine sur votre plan de travail. Et il faut que votre abaisse soit d'environ de 1 cm d'épaisseur. Avec un emporte-pièce, détaillez vos donuts. Pour faire le trou du donut, j'ai utilisé une douille. Ensuite, au préalable, il faut que vous ayez découpé du papier sulfurisé pour déposer les donuts un à un sur chaque papier. Laissez pousser pendant environ 1 heure. Et voilà à quoi elles doivent ressembler 1 heure après la pousse. Maintenant, on passe à la cuisson. Donc, vous mettez votre donut avec le papier sulfurisé dans la friteuse. Seulement quelques instants, vous allez voir, il va se décoller tout seul. Une fois qu'ils sont cuits sur les deux faces, mettez-le dans une assiette avec du papier absorbant. Maintenant, je vous montre 3 façons de glacer le donut.
On peut le faire avec de la glace royale. Je vous mets la recette en barre de description. On peut faire de la décoration avec un cornet et de la glace royale de n'importe quelle couleur. Vous pouvez aussi tout simplement les tremper dans le sucre. Vous pouvez aussi les tremper dans du chocolat fondu. Vous pouvez rajouter des perles en sucre ou des vermicelles de toutes les couleurs. Et voilà, tout plein de donuts, très alléchant, n'est-ce pas? Et voilà, nos donuts sont terminés, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mettre des pouces bleus, en commentaire dites-moi si vous adorez les donuts, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !